Jean-François va maintenant nous faire sa keynote à lui, qui est sur le sujet de inbound marketing et social selling, deux termes souvent mal compris, parfois opposés, rarement intégrés, un peu confondus. Voilà, Jean-François, je te laisse la parole. Bien, et au-delà d'inbound, on va surtout parler de vente, puisque finalement, l'inbound marketing, le social selling, c'est des outils qui servent à vendre, et la finalité, c'est bien vendre. Et ce qui est d'ailleurs très révélateur, c'est que depuis une heure, mais c'était en même temps le sujet, on a parlé d'inbound marketing, je ne crois pas qu'on ait utilisé une seule fois le mot vendre. Alors, déjà, peut-être juste une précaution pour... je vais partager des écrans. Et donc, pour ceux, désolé la répétition pour ceux qui sont au fait de ça, pour ceux qui ne sont pas au fait de ça, quand je vais partager mon écran, vous allez avoir les vidéos qui vous masquent une partie de l'écran. Alors, bien sûr, ici, toujours en haut, vous cliquez sur le petit bouton sur le côté et ça va vous réduire les vidéos et ça va vous permettre de voir mon écran quand je vais le partager. Oula. Mais peut-être commencer par, pour illustrer cette grande confusion, ces trois chiffres-là. Vous voyez, inbound marketing, c'est chercher 12 000 fois par mois sur Internet, sur Google, social selling 3 600 et technique de vente 880. Si autour de cette assistance, vous vendez des prestations autour de ça, vous pouvez en déduire un truc, c'est que vous avez plutôt intérêt à parler d'inbound marketing, vous allez capter plus l'attention des gens sur Internet. Mais en même temps, c'est une vraie anomalie, parce que ces trois sujets-là sont le même. Et ça veut dire que l'écart de recherche sur un sujet ou l'autre montre que les recherches sont guidées par un effet de mode plutôt que par une compréhension réelle des choses. Alors, je vais repartir de là où nous a laissé Michael, où effectivement, l'inbound marketing, pour bien comprendre ce qui va suivre, il faut que je rentre un petit peu plus dans le détail du process. Seth Godin a inventé l'inbound marketing sans l'appeler inbound marketing, en l'appelant permission marketing, comme le disait Michael. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Seth Godin était directeur du marketing direct de Yahoo. Souvent, on dit, c'était le directeur marketing de Yahoo. Attention, ça change tout. Le directeur du marketing direct de Yahoo, ça veut dire que vous êtes sur une cible B2C. Et puis, à cette époque-là, on est donc son bouquin, il l'a écrit en 2006-2007, mais le concept, il a commencé à travailler, à publier en 2004. Et en 2006, vous avez Dharmesh Sheth qui est un entrepreneur, qui fait un logiciel pour le vendre à des startups. Et il fait le constat que son blog, qui lui permet de donner des infos utiles à des start-upers, lui permet de rentrer en contact avec ses clients et derrière, de leur vendre le logiciel. Et bien sûr, il se dit, au-delà de vendre mon propre logiciel, ce que je pourrais faire pour les start-upers, ce que je pourrais faire, c'est en faire une offre complète avec un concept outillé avec un CRM, outillé avec un logiciel de sales automation. Et c'est ainsi qu'avec Brian Halligan, il a inventé HubSpot en 2006. Et leur concept, le voilà. Leur idée, c'est de dire, je veux capter des prospects, mais sur la planète, il y en a un nombre tellement infini que je ne sais pas distinguer mes prospects de purs étrangers qui n'ont rien à faire avec moi. Alors le concept, il consiste à se dire, dans la première phase, ce que je vais faire, c'est je vais mettre à disposition sur le web, c'est-à-dire par Google et les réseaux sociaux, du contenu sur les problématiques que je sais résoudre. Et alors forcément, qui va lire le contenu sur les problématiques? Des gens qui les rencontrent. Si tu publies un contenu sur la météo à l'île Maurice, probablement les gens qui vont le consommer, c'est des gens qui veulent faire un voyage à l'île Maurice. Et ça va créer un visitorat de gens qui sont une communauté qui ont le problème que je sais résoudre. C'est du pool, l'image de l'aimant, et ça va me permettre de changer la forme de l'aimant pour ceux qui viennent me visiter sur mon site. C'est ce que je pourrais faire, c'est finalement des capteurs d'email, des formulaires où je vais changer leur email contre quelque chose de plus à plus forte valeur ajoutée qui les aide à mieux comprendre les contours de leurs problèmes ou les enjeux ou de les solutions qu'on pourrait y apporter. Et ça, c'est l'étape après les avoir attirés où je vais les convertir en leads. Les leads, il y a différents niveaux. Dans le débat, on discutera s'il y en a qui veulent de l'info sur les différents niveaux de classification des leads. Mais ce qui est important, c'est qu'ici, j'ai quelqu'un qui m'a donné son adresse email pour pouvoir avoir un supplément d'infos. Ça veut dire deux choses. D'abord, il a un peu plus mal que les autres. Il a un peu plus besoin de résoudre son problème. Donc,
la probabilité qu'il signe est plus importante. Et ensuite, je l'ai qualifié, je peux le mettre dans mon CRM, je peux mesurer son intérêt au nombre d'interactions. Et comme j'ai son email, je peux faire des scénarios dans lesquels je vais lui envoyer des emails. Bah, par rapport à votre intérêt, on aurait deux solutions. Ici, cliquez, vous allez voir la A. Si le gars répond sur la A, il clique. Alors, on va lui dire, bah, allons un peu plus loin, on pourrait vous filer une démo. S'il ne clique pas sur là, on va lui dire, bah, OK, vous n'avez pas été intéressé par là, alors on peut vous proposer la B, on pourrait vous faire une démo. Et lui proposer des offres commerciales jusqu'à temps qu'il signe et qu'il devienne client. C'est la troisième phase de l'inbound qui est conclure. Ça ne s'arrête pas là, je vais changer la forme de l'aimant. Et maintenant, je vais continuer à leur mettre du contenu attractif sur Google ou les réseaux sociaux pour les toucher par le web, pour en faire des aficionados, des ambassadeurs. Voilà le process de l'inbound marketing, les spécialistes du sujet. On est en terrain familier, c'est vraiment l'inbound marketing formalisé par HubSpot dans les années 2006. OK, mais ce n'est pas de la vente. La vente, ce n'est pas ça. La vente, c'est quatre process en fait. Ce n'est même pas un process, c'est quatre process. La vente, c'est d'abord, il faut que je me génère des opportunités. Ensuite, il faut que je les transforme en clients. Ensuite, je vais maximiser, c'est-à-dire prendre le maximum du potentiel accessible du client. Et ensuite, je vais le fidéliser. Ça ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Hein. C'est en vente, je vais dans une population de prospects que je suspecte de pouvoir devenir client un jour. Ce que je vais faire, c'est que je vais identifier s'ils répondent bien à mes critères. Est-ce qu'ils ont la bonne taille, le bon secteur d'activité, le code NAV dans lequel je signe le plus? Est-ce que c'est le bon niveau d'interlocuteur? Est-ce que c'est la bonne zone de chalandise, etc. Deuxième étape, il faut que j'arrive à comprendre une problématique qu'ils auraient, dont je suis une partie de la solution. C'est ça, générer une opportunité. Ensuite, ce qu'il faut, c'est que je la transforme. Et là, je change de métier. Parce que transformer une opportunité en proposition commerciale, c'est un vrai job. Ça consiste non pas à parler de mes produits, ça consiste à vendre le problème, c'est-à-dire arriver à faire prendre conscience au prospect que son problème existe vraiment, l'enjeu, c'est-à-dire ce que ça lui coûte s'il ne le résout pas, la gravité, la nécessité, l'urgence, etc., etc., d'où l'intérêt d'avoir une proposition. Ça me demande aussi de m'assurer d'être au bon interlocuteur, parce qu'on a tous perdu plein d'affaires parce qu'on était trop bas. Je ne crois pas qu'on en ait perdu parce qu'un jour, on était trop haut. Donc, c'est un job de convertir une opportunité en proposition. Ce n'est pas la même chose. Et il y a un autre job de commercial, c'est de convertir une proposition en client. Parce que là, ça demande deux choses complètement différentes. La première, c'est très rationnellement de montrer que ce que je propose résout le problème. Avant d'avoir montré très rationnellement que le problème, je l'ai bien compris. Ça demande de montrer que je rentre dans le budget. Ça demande de montrer l'efficacité de ma solution. Ça demande de montrer que je le fais mieux que les autres. Ça demande de montrer que c'est mieux d'acheter maintenant que plus tard, etc., etc. C'est un autre job que l'étape 3 de convertir. C'est deux jobs différents, mais que le commercial doit faire. Et on a intérêt à ne pas les confondre, parce que ce n'est pas les mêmes techniques, ce n'est pas les mêmes taux de transformation. Il y en a faibles sur l'un, d'autres faibles sur l'autre. Et si on mélange tout, on ne comprend plus là où on peut optimiser la performance. Bon, maximiser, c'est simple. Une fois que j'ai pris une partie du potentiel, je peux faire de l'upselling ou du cross-selling pour augmenter, monter à la partie maximum du potentiel du client. À partir de maintenant, je vais partager mon écran un petit peu différemment. D'abord parce que j'en cache une partie et puis ensuite parce que comme ça, le partage sera plus net, notamment pour le stream de Loïc. Et puis, la dernière chose, c'est qu'il faut le fidéliser. Et alors là où le commercial ne raisonne pas comme le marketeur, vous voyez, c'est qu'il y a un mot qu'un vendeur n'utilisera jamais. C'est des mots genre ambassadeur. Pourquoi ? Parce que la fidélisation, ce n'est pas ce qu'on dit. Ni dans la vie, ni dans le business. La fidélisation, c'est ce que les gens font. Un fidèle, dans un couple ou dans une relation business, ça se regarde à ce que les gens font et non pas à ce qu'ils disent. Et nous, les vendeurs, on va plutôt parler de réachat. C'est-à-dire, tu veux savoir si un client est fidèle? Regarde s'il réachète. Alors, il y a des points communs, bien sûr. Il y a des ponts entre les deux. Vous comprenez bien, le trait rouge qui figure là signifie que quand j'identifie en vente dans l'étape 2, quand j'identifie les problèmes du client, c'est bien ce que fait l'inbound à l'étape 2. Mais vous voyez que ce n'est pas le même ordre des étapes. En vente, quand j'essaye de comprendre la problématique d'un client, des fois, on a des clients taiseux. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va leur dire, ben voilà, moi, je travaille avec 150 boîtes qui ont votre secteur d'activité. Ils ont tous quatre problèmes, le 1, le 2, le 3, le 4. Vous, vous reconnaissez plutôt dans lequel? Eh bien, c'est ça que fait l'inbound à l'étape 1.
de présenter des problématiques clients pour voir les gens qui se reconnaissent dedans. Mais c'est également ce que fait l'Inbound à l'étape 2, puisque quand on va mettre du contenu sur des problématiques pour que les gens mettent leur email sur une landing page, on cherche bien à comprendre le problème qu'ils rencontrent. À l'étape 3, quand j'essaye de convertir l'opportunité en proposition, eh bien, j'essaye d'arriver à exposer mon prospect à une problématique qui l'intéresse. C'est exactement ce que fait l'Inbound à l'étape 2. Quand à l'étape, et le problème de l'étape 2, vous voyez, c'est que à l'étape 2 de l'Inbound, tu demandes au commercial, si le commercial s'amusait à suivre ce process-là, il y a trois trucs à faire qui n'ont rien à voir, qui correspondent ni aux mêmes compétences à développer, ni au même moment de la relation client, mais ils sont tous packagés à l'étape 2 du process Inbound Marketing. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été fait par des vendeurs. Parce que ça ne correspond pas aux tâches que fait un vendeur pour vendre. Ensuite, quand on essaye de convertir un client à une proposition, c'est ce que fait finalement l'Inbound à l'étape 3. C'est j'ai récupéré au niveau des leads les adresses email, je vais donc pousser par du marketing automation des propositions, des offres de démo, etc., pour voir celle à laquelle ils accrochent, celle à laquelle ils veulent des infos complémentaires. Donc, c'est aussi ce que fait l'Inbound à l'étape 3. Quand ensuite, on essaye de convertir de la proposition client, c'est la définition d'étape 3 de l'Inbound. C'est la même. Et à nouveau, vous voyez qu'à l'étape 3 de l'Inbound, on fait des trucs qui ont juste rien à voir pour un commercial, qui ne sont pas basés sur les mêmes compétences. Alors bien sûr, aussi, l'Inbound va s'occuper de la maximisation, puisque dans l'étape 4, qui s'appelle fidélisation, on va faire aussi de l'upselling et du cross-selling. Et puis, on va bien sûr s'occuper de faire réacheter les clients, puisque c'est la définition de la fidélisation. Et vous retrouvez cette étape 4 de l'Inbound Marketing, où on a mélangé des tâches commerciales qui sont vraiment différentes, parce qu'il n'y a vraiment rien de commun, vous voyez, entre faire de l'upselling, faire du cross-selling et faire de la fidélisation. Alors, pourquoi il y a ces décalages? Parce que l'un est un outil de l'autre. Il y en a un qui est inclus dans l'autre. Ce ne sont pas des process comparables. Il y a un process de vente qui est généré, transformé, maximisé, fidélisé. Et puis, il y a un outil qui est l'Inbound Marketing, qui pour moi n'est ni une stratégie, ni une philosophie. C'est un outil génial, qui vient s'inscrire surtout à deux endroits dans le process. Dans la génération d'opportunités et dans la fidélisation. Dans la fidélisation, c'est très dur à mesurer et c'est pour ça que j'en parlerai pas maintenant, mais si vous voulez qu'on en discute après, on en discutera. En revanche, c'est un outil qui est très faible à la conversion. Pourquoi? Parce qu'il faudrait arriver à convertir en ligne avec un process d'inbound marketing et juste un chiffre. En France, vous avez, à l'heure où on se parle, 300 000 sites web qui sont capables d'aller jusqu'à la conversion d'un client. Il y a 4,5 millions d'entreprises. Donc, quand on parle de conversion par un process d'inbound en ligne, on est en train de parler de moins de 10% des boîtes. En revanche, l'inbound, c'est une idée qui est formidable. C'est une idée qui va capter l'intérêt des prospects et c'est une idée d'autant plus intéressante au moment où on voit bien que les technologies push, elles ont une tendance à s'essouffler. Notamment, la prospection téléphonique marche de moins en moins. Mais comme on le disait tout à l'heure, il y a des secteurs, je veux dire, si vous êtes commerçant, demandez à un commerçant, à un Intermarché, ce qui se passe quand ils mettent des leaflets dans les boîtes aux lettres, vous allez comprendre pourquoi ils le font. Hein. C'est que réellement, le push, il marche encore dans plein de secteurs. Ça dépend du secteur. Et donc, finalement, ces deux manières de générer du business, et il y en a une qui s'appelle l'inbound. Avec une remarque sur inbound, c'est qu'inbound, il l'est un petit peu moins que ce qu'on croit. Hein. C'est qu'en fait, je suis d'accord qu'à la première étape, je mets un blog ou un site avec du contenu qui est optimisé SEO pour attirer l'attention des gens. C'est bien du pull. OK. Ensuite, je mets des formulaires pour leur dire, si vous voulez mon livre blanc, vous mettez votre email là. Je ne les force pas, ils n'ont pas un revolver sur la tempe. C'est bien de l'inbound. OK. Ça, ça me permet de récupérer des leads. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a des leads? Eh bien, on prend un logiciel de Sales Automation, qui est fourni d'ailleurs avec le CRM de HubSpot, et on fait du push. Et sous prétexte que quelqu'un a fait, comme Seth Godin expliquait en 2006, il y a 15 ans, putain, il y a 15 ans, on a fait de l'opt-in, on a demandé l'autorisation, on a fait du permission marketing, mais pour envoyer un truc, derrière, on va lui envoyer tout ce qui nous passe par la tête.
Et ce qui est frappant, c'est que hier, dans une discussion sur Internet, vous pouvez le vérifier, c'est dans mon fil de discussion, vous voyez, j'ai reçu ce mail-là, qui était ce commentaire-là qui était rigolo. C'est un gars qui dit, bah, il y a beaucoup de justesse dans ton article. Pour l'anecdote, j'ai reçu pas mal de demandes non sollicitées récemment de la part de HubSpot, des demandes sans doute plus ou moins automatisées. En fait, c'est pas HubSpot, c'est des agences qui sont adossées à HubSpot. Les chantres de Lingboon pratiquant la vente à l'ancienne, ça manque pas de me faire sourire. Mais ça vient de ça. C'est qu'en fait, un logiciel d'automatisation pousse des contenus. Et c'est pas parce que Opt-in faisant ou RGPD faisant, j'ai donné mon accord pour en recevoir un, que j'ai donné mon accord pour recevoir tous ceux d'après. Donc, gaffe, Lingboon, il n'est pas toujours autant Inbound que ça. Mais voilà mes trois premiers key learning points de cette première partie. C'est l'inbound, ce n'est pas un process de vente. C'est un moyen online génial, soit, mais pas tant inbound que ça. Pour réaliser une ou deux étapes du process de vente, plutôt bien sûr, je pense à génération d'opportunités et fidélisation, il est facultatif, on n'est pas obligé de l'utiliser, il y a des secteurs où il marche mieux que d'autres, et il ne peut suffire à la conversion que dans peut-être moins de 10% des entreprises sur cette planète à l'instant où on se parle. Et là, il y a une première incompatibilité, vous voyez, avec social selling, c'est que dans social selling, il n'y a qu'un seul mot, c'est selling, c'est vendre, social, c'est que l'adjectif. Maintenant, il y a un autre problème. L'autre problème, c'est si je repars de ce process-là et je vais le mettre vertical, pour la clarté de l'explication. On a donc des cibles. Sur ces cibles, on va développer des moyens. Qu'est-ce que j'entends par moyens? Par exemple, à l'étape 1 de l'inbound marketing, on va mettre des dispositifs sur Google et sur les réseaux sociaux optimisés pour que le prospect tombe dessus. Ces moyens sont adaptés à un niveau de maturité du prospect. Ici, le niveau de maturité, c'est le tout premier. Jusque-là, le gars, il avait besoin de rien. Et à un moment donné, il a un problème qui fait que ça le met sur le parcours d'achat. Par exemple, je sais pas, il a cassé sa voiture et il faut qu'il en rachète une autre. Et à ce moment-là, son intérêt va vers le problème et pas vers les solutions. Si aujourd'hui, vous voulez acheter une voiture, la première question que vous posez, c'est il me manque de l'info là. Est-ce qu'il faut que j'achète un hybride essence ou un hybride diesel? Et l'hybride diesel, ça sauve vraiment la planète ou c'est un truc qui est plus polluant qu'un diesel normal? Et en fait, à ce moment-là, on va avoir un type de raisonnement où on n'a pas envie qu'il y ait Peugeot qui nous dise « j'ai la meilleure voiture de la planète ». Ça s'appelle le TOFA, comme « top of the funnel ». La majorité des Français qui ne parlent pas anglais appellent ça le TOFU, ce qui crée une super confusion, bien sûr, parce que quand on entend TOFU, nous, on pense plutôt à ça. Mais c'est « top of funnel ». Ensuite, il y a pour la deuxième étape donc de l'inbound, le dispositif, les moyens, ça va être des formulaires pour capter les adresses email, des landing pages, etc., qui vont nous permettre avec ces emails-là de pousser nos solutions pour proposer des démos, que le client puisse les évaluer, etc. C'est donc le MOFA, middle of funnel. Et puis pour le niveau le plus bas, ce qu'on fait, c'est que les dispositifs, c'est des démos, des offres, etc., qu'on pousse par scénario email pour aller vers la conversion et vers l'achat, c'est le BOFA, le bottom of funnel. Très bien. Super. Voilà les stades de maturité analysés par l'inbound marketing. Mais il faudrait ne jamais avoir rencontré un client de sa vie pour croire qu'un client fonctionne comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça, un client. Quand on rencontre des vrais clients, qu'est-ce qui se passe? Ils ont un parcours d'achat où, je suis d'accord, quand ils vont rentrer sur le parcours d'achat, ils vont, puisque c'est un problème qui les met sur le parcours d'achat ou une info qui manque, ils vont se centrer là-dessus, comme par exemple, est-ce qu'il vaut mieux acheter un véhicule hybride ou un véhicule électrique, par exemple? Et ce qui va les intéresser, c'est trouver l'info qui leur manque. C'est pas qu'on leur dise « ma Peugeot, elle est plus belle que la Citroën ». Mais ils ne se sentent que sur le problème. Il n'y a pas le mélange du problème et de la solution comme fait l'inbound, le stade awareness que vous voyez à gauche. Et ce n'est que quand on pense qu'il y a une solution possible qu'à ce moment-là, le client va passer au stade de maturité suivant où il va les évaluer. Et pour les évaluer, il fait quoi? Il les compare. Et donc, à ce moment-là, au stade 2, le commercial doit être un champion de la vente comparative. Et elle correspond assez pas mal au MOFA, celle-là. Mais en revanche, au stade 1, on ne mélange pas les deux. Pourquoi? Parce qu'au stade 1, on se centre sur le problème, faire peser le problème, les enjeux du problème.
Puis ensuite, il y a un stade 3. C'est que si dans la comparaison des solutions, il y en a au moins une qui paraît jouable, le client va se centrer à évaluer sa mise en œuvre. C'est quoi le délai? C'est quoi les options? C'est quoi les accessoires? Ça demande quel type de savoir, etc., etc. Et là, le commercial va à nouveau changer de costume et il faut qu'il soit capable de passer une argumentation qui n'est plus comparative, qui est une argumentation, on va essayer de prouver que par mes avantages, je vais répondre à ces critères de choix en les prouvant par des preuves, des chiffres, etc. Et puis ensuite, alors ces trois étapes-là, le client les fait de plus en plus online sur le ZMOT, le Zero Moment of Truth. Et puis au quatrième étape, il va évaluer la transaction. La transaction, c'est, si c'est une voiture, c'est tu me donnes la carte grise et je t'achète la voiture et des choses comme ça. Et c'est une étape qui demande à ce moment-là au commercial d'être plutôt fort en négociation. Et puis ensuite, il y a une cinquième étape qui est vraiment l'achat, qui peut être retardée par le client qui va dire « je vais réfléchir ». Et à ce moment-là, on repart dans une vente comparative comme au stade de maturité 2, mais cette fois-ci, on va comparer entre « qu'est-ce qui se passe si tu achètes maintenant ?» et « qu'est-ce qui se passe si tu achètes après ?» Quelqu'un qui dirait par exemple « ok, vous m'avez convaincu, la voiture c'est bien, mais je vais attendre 2 mois parce que l'État va donner de nouvelles aides pour l'achat de véhicules hybrides, je vais attendre ce que ça donne ». Et donc, vous voyez que l'attitude du commercial, sa zone d'argumentation change sur ces niveaux de maturité. Et finalement, c'est pas que c'est contradictoire avec l'entonnoir de l'inbound. C'est que l'entonnoir de l'inbound mélange des niveaux de maturité différents et qu'à la fin, c'est le meilleur moyen pour que les commerciaux n'utilisent pas le bon niveau de vente en fonction du bon niveau de maturité, parce qu'ils ne l'ont plus sous les yeux, parce qu'ils ont cru, comme tous les marketeurs, qu'il n'y a que 3 stades dans le niveau de maturité, awareness, evaluation et conversion. Et c'est ça mon key learning point 2, c'est que l'inbound, c'est un concept marketing qui n'a jamais été fait pour des commerciaux. Il a été fait par des marketeurs, pour des marketeurs, et pas n'importe lesquels. Des mecs qui sont Seth Godin, qui venaient du B2C, et Darmachet, qui lui vendait à des start-upers, mais un start-upper, c'est une clientèle très B2C dans le comportement. C'est un concept qui va mélanger les niveaux de maturité avec lequel le vendeur doit lui dealer au quotidien. Et donc, il rend très difficile une approche commerciale adaptée parce qu'en fait, il mélange tout. Et il doit être, pour être utilisé par un commercial, il doit être adapté à la vente et il n'y a pas mieux que des commerciaux pour adapter un concept à la vente. Et puis, mon dernier point, très rapidement, c'est finalement, je n'ai pas encore parlé de social selling parce que déjà, il faut se mettre d'accord sur le rapport entre inbound et vente, puisque dans social selling, il y a le mot vente. Et venons-en maintenant sur cette dernière couche, réellement au mot social selling. En fait, ici, on a le process de vente avec la place de l'inbound marketing dans ce process de vente. On va zoomer sur là où il est sans doute le plus intéressant, c'est-à-dire sur le process de génération d'opportunités. Bien. Et là, qu'est-ce qui se passe si je compare avec la démarche social selling? Dans une démarche social selling, on va faire quoi? On va donner de l'information d'une manière généreuse sur des problématiques pour aider nos cibles à les mesurer, en prendre les contours de l'ampleur. On va donner des solutions. C'est par exemple ce que vous avez pu voir Cyril Bladier faire ces derniers jours sur des infos qui sont vraiment très très advanced sur le fonctionnement de l'algorithme LinkedIn. D'ailleurs, je resterai tout à l'heure à son keynote et je vous conseille de le faire. C'est vraiment super intéressant ce qu'il a publié. Mais c'est super généreux parce que chacun des mots qu'il a publié depuis 15 jours, il aurait pu le vendre et il y a des gens qui auraient payé pour. Et en ce sens-là, vous comprenez bien que c'est exactement ce que fait l'inbound au stade 1. En fait, je peux le mettre en vert parce que c'est la même chose. Parce qu'en fait, le social selling utilise l'inbound et ce levier-là. C'est la même chose. En fait, l'inbound est inclus dans le social selling. Le social selling utilise l'inbound. Deuxième étape de l'inbound, qu'est-ce qu'on va faire? On va mesurer, regarder les gens qui s'impliquent et on va favoriser cette implication. Par exemple, vous publiez un post et vous regardez qui commente. Ce qui va être important, c'est quand les gens commandent, de répondre. Et de répondre, comme le dit des fois Loïc, en mettant du contenu et qui pose des questions pour les inviter à répondre et à générer l'implication. Et ça, vous entendrez sans doute, je n'ai pas du tout discuté avec lui de sa présentation, mais nul doute que vous entendrez Cyril parler de ce genre
de choses qui vont impacter votre score de viralité et votre dwell time, et du coup derrière la diffusion de votre post, la portée de votre post. Et ça, c'est une étape fondamentale. Mais cette implication, finalement, c'est ce que fait l'Inbound quand il propose un formulaire dans lequel les gens vont mettre leur email. Simplement, en social selling, on va le faire plus tôt, on va le faire dès le départ, et c'est moins impliquant parce qu'il n'y a pas d'email à mettre. Mais ça n'empêchera pas de le faire plus tard en utilisant un blog et des landing pages, etc. Et d'ailleurs, on est ceux qui font vraiment du social selling. Ils utilisent aussi un blog, et vous avez entendu tout à l'heure des vrais pros qui sont Yann et Cyril, ils ont tous les deux un blog, et ça fait partie du truc. C'est si vous avez un doute sur le fait que vous avez besoin d'utiliser l'inbound et un blog pour faire vraiment du social selling, venez vendredi à 15h, on reparlera de ce sujet-là et on lèvera ce doute-là. Faire du social selling qu'avec LinkedIn, c'est vous passer à côté de 80-90% des opportunités. Mais l'implication, c'est également ce que l'inbound mesure au stade 3 de conclure par le lead score dans le CRM. Et là, ce que vous voyez, c'est que finalement, l'inbound, il nous a classé le truc différemment. Ce qu'on fait à une seule et même étape du social selling, sur l'inbound, c'est splitté dans trois étapes différentes. Et puis, ce qu'on fait ensuite en social selling, c'est qu'on se dit maintenant, ces gens qui se sont impliqués, je sais qu'ils sont intéressés par moi ou mon offre. Il y a une autre question, c'est est-ce qu'ils m'intéressent, moi? Est-ce qu'ils ne sont pas trop loin, trop petits, pas la bonne fonction, trop bas, trop, etc. Et à ce moment-là, on va les identifier. C'est bien sûr ce que fait également l'inbound dans l'analyse du score de lead et des niveaux de qualification à l'étape 3. Et puis, à l'étape 4, qu'est-ce qu'on fait en social selling? Ben, on les interpelle. Parce que tu peux pas te contenter de l'espoir que ça tombe du cloud, pour faire un jeu de mots idiot. C'est, il y a un moment, quand les gens sont vraiment impliqués avec toi, tu leur dis, ben, écoutez, poursuivons la discussion. Là, sur LinkedIn ou autre, c'est un peu réduit. Est-ce que vous me passez votre téléphone, votre mail, et on continue la discussion différemment? On la continuera en face à face, en visioconférence, ou au téléphone, peu importe. Et cette interpellation, c'est ce que fait également l'inbound marketing à l'étape 3, puisqu'il va proposer des offres, des démos et de conclure. Mais à nouveau, vous voyez la confusion des gens. C'est que à l'étape 3 de l'inbound marketing, putain, tu fais trois trucs différents qu'un commercial ne fait pas au même moment, qui ne repose pas sur les mêmes leviers, pas avec les mêmes compétences. En fait, il y a une corrélation entre les deux, mais c'est pas classé pareil. C'est pas un classement pour des commerciaux. C'est un concept de marketeur. Il n'y a pas un commercial qui fonctionne comme l'inbound marketing. Et c'est ça qui fait que, à force de faire des confusions entre les étapes, de dire à des mecs, à l'étape 3, conclure, c'est tu fais ça, et c'est le contraire de ça, mais tu le fais avant l'autre truc, etc., eh bien, c'est le meilleur moyen pour qu'il y ait des gens qui fassent n'importe quoi. En fait, à trop confuser les objectifs d'une étape, on rend les objectifs flous. Et vous savez, il y a un proverbe dans la vie qui se vérifie tout le temps, c'est que, à objectif flou, connerie certaine. Et ce genre de commentaire qui s'est affiché là, que j'ai reçu hier, c'est pas parce que l'inbound n'est pas bien. C'est simplement parce qu'on a des vendeurs, et pourtant ils bossent dans des boîtes qui utilisent HubSpot, qui n'ont pas compris la différence entre un concept marketing et un concept de vente. Alors ça amène la confusion des genres, ça amène à harceler des gens qui s'étaient juste intéressés à quelque chose, et finalement, c'est une mauvaise utilisation de l'inbound parce qu'on a pensé que l'inbound était un process de vente et on s'est calé dessus. Alors, mon troisième et dernier point, c'est que le social selling utilise l'inbound, c'est-à-dire on va attirer par des contenus intéressants, on va pas interrompre le client par ce qui nous intéresse de parler, c'est-à-dire notre offre, ce qu'on vend, etc. On va devenir ce qui intéresse le client, c'est-à-dire ses problématiques. Mais c'est un process, en revanche, qui est fait pour des commerciaux, contrairement à l'inbound, qui lui est un concept fait par des marketeurs pour des marketeurs. Voilà, c'est le troisième point. Le social selling utilise l'inbound et c'est un process pour des commerciaux. Mais mon premier point, rappelez-vous, c'était l'inbound n'est pas un process de vente. Or, dans social selling, il y a un problème, c'est qu'il y a quand même le mot vente. Et mon deuxième key learning point, c'était que l'inbound est un concept marketing. Marketing qui date des années 2006, hein, il y a 15 ans, quoi. C'est-à-dire un truc vieux. Et il n'est pas fait par des commerciaux, il n'est pas fait pour la vente, il est fait par des marketeurs pour des marketeurs. Il mélange les niveaux de maturité et donc il doit être adapté à la vente, on ne peut pas l'utiliser comme ça. Et peut-être que les mots les plus importants de ce dernier slide, c'est que c'est un concept marketing de 2006, que depuis, on a compris qu'il y a un élément clé de la performance commerciale, c'est la convergence du marketing et des ventes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour performer en vente, il faut adapter les systèmes marketing à la vente. Il faut les adapter aux commerciaux
et il faut les adapter aux clients et pas l'inverse. Merci, merci Jean-François. J'ai été captivé, je dois dire aussi, hein? Alors, je vais demander, bien entendu, aux panélistes de commencer par réagir, voire poser une question, comme l'avait fait Robin tout à l'heure. Alors, on va commencer, ben, par Robin, tiens, voilà, parce qu'il a peut-être une question ou une réaction par rapport à Oui. ce qui a été partagé. Vas-y, Robin. Simplement sur la dernière chose, pas l'inverse. Je suis pas forcément d'accord avec ça sur la partie commerciale. Effectivement, là, tel que présenté, c'est le marketing, donc la commercialisation qui est au support des efforts commerciaux. Mais typiquement sur bon, parce que là, en fait, là, tu parlais, Jean-François, d'inbound marketing. Moi, je résumerais plus simplement ta présentation en marketing versus vente, hein, globalement aujourd'hui, si on met de côté le terme inbound. Et typiquement, il y a une chose dans l'inbound qui est ultra important en haut de funnel, c'est la réactivité. Un commercial, et notamment c'est souvent des BDR qui s'occupent de cette partie-là, donc des business developers, lorsqu'ils reçoivent une sollicitation, on sait très bien que si on laisse passer 5 minutes après la soumission d'un formulaire, on décroît nos chances de conversion ensuite par 4. Donc il y a une donnée que doivent intégrer les commerciaux aujourd'hui, c'est que avec ce type de si on met des efforts marketing importants, ils vont être sollicités beaucoup plus qu'ils ne sont quand ils font que de l'attaque terrain, puisque c'est eux qui sont maîtres à peu près de leur rythme d'attaque. Et donc il y a quand même cette notion de réactivité qui, je pense, il faut intégrer quand même chez un commercial, qui est quelque chose de nouveau. Et moi, je le vois là chez les gens qu'on onboarde pour gérer la partie business entrant. C'est des gens qui sont pas habitués et qui se retrouvent très vite, en fait, par manque d'organisation, submergés par les demandes qu'ils reçoivent. Et ça, je pense que c'est quand même une partie qui doit être adaptée du côté commercial et non pas que de l'adaptation du côté marketing. Bien, bien, merci Robin. Pas encore de réaction là-dessus, donc on va continuer. Cyril Bladier, t'as entendu Jean-François, il a parlé de toi à un moment donné, hein. Mets ton micro, Cyril, du bon côté. Le micro du bon côté. Non, Mais tu me voilà. coupes mon micro, donc moi j'ai déjà coupé le mien, donc à chaque fois j'ai deux Ah trucs à non, non, avant, couper. avant quelqu'un parlait derrière toi, t'avais ton, t'as, je sais pas qui, ton enfant ou quelque chose, hein, je t'ai coupé. Mes jumeaux, Voilà. personne ne les entend jamais, ils sont toujours super calmes. Vas-y, 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 Cyril. C'est très difficile de reprendre la parole après une intervention aussi pertinente, et je ne suis pas ça pour les serrer les pompes. Voilà, moi, j'ai un parcours spécifique. En fait, j'ai commencé dans la vente et je fais du marketing depuis moi longtemps. Enfin, j'ai chapeauté les équipes marketing quand j'étais patron de BU, mais mon parcours, c'est vraiment la vente. Moi, je pose pas les deux. Je trouve qu'il y a vraiment une très bonne complémentarité entre commerciaux et vendeurs. C'est clair, là, il a raison de remettre les points sur les i sur le fait que tout ça, c'est des outils de marketeurs pour des pour enfin, des outils de marketing pour des marketeurs. C'est vraiment essentiel. Non, mais c'était très bien. Enfin, j'ai pas de Ok, questions, pas de ok. points à ajouter là-dessus. Super, Michael. Toi qui es plutôt Ouais, d'ailleurs j'ai... marketeur, de ce que j'ai compris, tu es plus marketeur que vendeur, toi, hein, contrairement à Oui, alors. Jean-François, moi-même, ou voilà. Oui, enfin, j'ai fait aussi pas mal de ventes, hein, dans ma vie, dans ma petite vie, comparé à vous, à mon avis, j'ai beaucoup, beaucoup moins d'expérience que vous, mais j'ai été aussi vendeur. Que dire? Je m'attendais pas du tout à cette guinotte. J'ai vraiment eu l'impression que tu as crucifié le marketing. Hein. Le marketing, vous dites de la merde, c'est de la vente qu'on fait, dégagée, etc. Mais c'était quand même intéressant. Je l'avais déjà vu, cette notion, notamment dans ton tunnel, on voit marqué MQL, SQL. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est dans le tunnel inbound, MQL, c'est le marketing, qualification leads, alors que le SQL, c'est le sales. Parce que dans la logique, bon, de HubSpot et donc de l'inbound, le marketing et le commercial, historiquement, les deux se font la guéguerre. Et en gros, HubSpot dit, bon, je suis pas un élève d'HubSpot, hein, mais HubSpot dit, faut arrêter de se faire la guéguerre, faut s'entendre, faut arrêter de chacun parler son propre vocabulaire, travaillons ensemble. Et donc, dans le tunnel, normalement, MQL SQL, ça correspond à une qualification du lead par le marketing pour ensuite le donner au vendeur.
à la partie sales, qui va eux aussi le qualifier avant qu'on passe à d'autres étapes. Donc, pour moi, les deux doivent être en lien. Ce n'est pas vraiment le marketing, arrêtez, restez dans votre côté, nous, on sait mieux que vous, etc. Les deux doivent vraiment collaborer ensemble. C'est vraiment le truc le plus important, je pense. Mais je ne pense pas que Jean-François ait dit qu'il ne fallait pas ça. Mais bon, on continue. Yann, quelle est ton analyse de ce qui a été dit ou ta réaction par rapport à ce qu'a partagé Jean-François, le vendeur et le marketeur comme nous, hein, toi. Oui. On est tous un peu vendeurs aussi. Non, je m'attendais à quelque chose de brillant. On a eu brillantissime. C'était... Ah, très fort. J'ai bu du petit lait. Moi, je suis un marketeur, mais j'ai aussi été vendeur, puis j'étais marketeur pour les vendeurs, donc j'ai le droit de parler des deux côtés. Pour moi, je vais refaire le lien avec ce que vient de dire Michael. Se parler de SQL, de MQL, j'ai vu des mecs se crêper le chignon, si on peut dire, sur ce genre de truc, mais ça n'a strictement mais aucun sens. C'est, je veux dire, ça sert à une chose. Ça sert à expliquer que c'est pas moi, c'est lui. Donc ça, c'est vraiment de la merde, si je puis me permettre. Le marketing, qui, c'est très simple, il y a un monsieur qui s'appelle Robert Keith, qui a inventé le marketing en 1960. Si tu ne connais pas son document fondateur, je t'invite à le lire. Et dans ce document, il explique que le marketing, en fait, il n'essaie pas de mettre le client au centre de ses préoccupations. Le client est au centre de ses préoccupations, point barre. Et si le marketeur ne fait pas ça, ben, je ne sais pas ce qu'il fait. Ce n'est pas un marketeur, c'est un clampin. Et donc, cette histoire de fusion de vente marketing, je dirais, c'est tellement évident que ça devrait être naturel. Et si le marketeur n'est pas dans une mentalité d'appui de la vente, mais aussi d'amélioration de la vente, parce qu'il y a pas, on aime bien les vendeurs, mais qui aiment bien châtie bien aussi, il a un rôle à jouer. Alors, notamment en vente complexe, hein, on l'a vu hier, et bien donc du coup, ben, s'il ne fait pas ça, ben, il ne sert à rien. Et il vaut mieux qu'il dégage. Et je pense que là, j'ai bu du petit lait, parce qu'effectivement, je fais de l'inbound marketing depuis que je suis tout petit, j'ai 26 ans en fait. Mais en fait, je ne fais pas de l'inbound marketing. Ce n'est pas de l'inbound marketing que je fais. Moi, je fais du content marketing, une petite nuance, toute petite nuance. C'est qu'au milieu, il y a des gens qui s'appellent HubSpot, mais il y en a d'autres, qui ont ajouté des logiques d'automatisation, et je ne suis pas forcément contre les logiques d'automatisation quand elles sont bien utilisées, mais qui finissent par se transformer en machine, en pistolet à gaufres. Et c'est exactement ce que vient de nous dire Jean-François, c'est pas de l'inbound, c'est de l'outbound. D'autant plus que ça s'adresse à des clients qui, la plupart du temps, pour ne pas dire 99,9% du temps, sont immatures, on travaille avec des sites web qui sont plus ou moins bancals, des contenus qui sont bancals et surtout qui ne savent pas travailler dans la durée. Et donc, au bout d'un moment, ils se font noyer par leurs scénarios et la complexité de ces scénarios. On se demande d'ailleurs pourquoi c'est si compliqué alors qu'il faut faire des choses plutôt plus simples, hein, et les faire bien. Et au bout d'un moment, ils se font submerger par ce truc-là. Et je vais vous le dire, ça me fait penser à ce gars qui est venu présenter un dispositif Marketo, en soi d'ailleurs un logiciel fort honorable, d'une grande poste étrangère, donc pour une fois, ce n'est pas des Français, et qui nous a montré tout son setup marketing automation qui était superbe, vous savez, ça faisait tout, des coups de pied à la lune, ça faisait des tas de trucs merveilleux. Et à la fin, il y a un de mes élèves qui a posé la question qui tue. À quoi s'en servent-ils? Et là, le gars a répondu essentiellement comme outil d'emailing. Et on en revient au problème qu'a décrit Jean-François. C'est qu'au bout d'un moment, c'est des usines à gaz qui finalement finissent par faire perdre le point numéro 1 qu'il a indiqué dans le social selling, mais qui est le même dans le content marketing. C'est d'apporter de l'information et de l'apporter honnêtement. Et qu'est-ce que ça veut dire honnêtement? C'est ce que j'ai expliqué hier. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on est des marketeurs, c'est de ne pas essayer de vendre. Et moins on vend, c'est le principe du marketing du contenu, mais c'est aussi le principe du social selling. C'est le principe de ce qu'a fait Cyril en donnant ses informations qu'il aurait pu vendre. En donnant des choses, il reçoit quelque chose. Et là, c'est effectivement une méthode absolument géniale. Ce n'est pas une méthode, c'est une philosophie, c'est une approche. Et elle est fondamentalement opposée au pistolet à gaufres. Et transformer l'inbound, finalement, en cette machine à bombarder les gens, c'est contre-productif. Ça finit par
En anglais, on dit defeats the object. C'est-à-dire, ça vient à l'opposé de son objectif. Donc ça, c'est vraiment démonstration magistrale. Enfin, il n'y a rien d'autre à rajouter parce que, effectivement, c'est. Enfin, je veux dire, je suis d'accord sur tout. Tout. Voilà. Bon, bah, très bien. Alors, Jean-François, je te propose que tu réagisses par rapport aux réactions et puis qu'on passe à la partie questions. C'est quoi les process et les outils qu'on va utiliser pour que ça fonctionne tout ça, hein? C'est vrai que. Vas-y, Cyril, vas-y. Yann a entièrement raison. Je n'avais pas percuté tout à l'heure et parce que je me suis couché, j'ai bossé jusqu'à 3h du matin, debout 7h, donc j'ai le cerveau un petit peu ralenti. Et il y a une raison de remettre le point là-dessus. Quand on analyse dans le détail avec tous les business cases publiés, où nous on le voit quand on fait des audits concurrentiels pour nos clients. Je dis nous parce que moi j'ai une équipe d'une cinquantaine de personnes aujourd'hui. Enfin, c'est un GIE, mais c'est pour ça que je dis souvent nous. Très souvent, en fait, tout l'inbound marque, tout ce qui se présente comme étant stratégie d'inbound, quand on regarde vraiment quand c'est fait, c'est que l'inbound. C'est-à-dire, c'est auto-centré, c'est en fait, ce qui est présenté comme de l'inbound devient un nouveau moyen de balancer de la com sur ses produits en faisant du hope marketing. C'est je balance, j'arrose. Je diffuse sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, je ne sais quoi, j'en mets partout, en espérant que dans le lot, c'est le hope marketing. J'espère que, en faisant ça, dans le lot, je vais réussir à tomber sur un mec que ça va intéresser. Et on est toujours auto-centré sur ses produits, ses offres. Et comme là, le commercial, il y a un an, il prospectait les DRH en disant « je vends des vélos d'entreprise ». J'y mets. Est-ce que tu imagines réellement, on est en sortie de premier confinement, que les DRH se réveillent le matin en disant « Putain, mais où est-ce que je vais trouver des vélos d'entreprise ?» Mais tous les DRH s'en cognent. Il n'y en a pas un que ça concerne. Le problème, ce n'est pas des vélos d'entreprise. Le problème, c'est comment je fais pour proposer à mes salariés des solutions pour revenir au bureau sans prendre les transports en commun. Donc, tu abordes les clients tu sens sur tes clients, la problématique, ce n'est pas le vélo, c'est comment je propose autre chose. Et là, ça marchera. Et à chaque fois, quand on regarde l'inbound, c'est moi, ma vie, mon œuvre, voilà mes produits, c'est l'inbound, c'est le nouveau spot de pub sur TF1, j'arrose, je balance sur LinkedIn parce que je veux toucher les pros, je balance sur Facebook parce que je veux toucher du grand public, je balance sur TikTok parce que je veux toucher, ou sur Insta parce que, ou sur Snap parce que je veux toucher des jeunes, mais ça reste en fait, tout ça, ça reste une logique qui est très outbound, ce qui serait vraiment de l'inbound centré client, besoin client, c'est très rare. Et aujourd'hui quand je dis ça, on me dit oui, mais il y a des cas où ça marche. Oui, effectivement, quand tout le monde a 11 sur 20, celui qui a 12 sur 20, c'est le premier de la classe. Pour autant, il n'y en a pas un qui a 14, ni 15, ni 16 sur 20. Ça n'existe pas. Très bon. Prendre les choses à l'envers, tout à l'heure, Jean-François en a parlé un petit peu. Tout ça reste du push. Le push, par définition, est de l'inbound. L'inbound, pour moi, ce serait quelque chose qui serait du pull. Quand on regarde ce qui est vraiment fait en pull, c'est rarissime. Je connais très très bien ce sujet-là. Je vois la différence chez les clients de passage de mentalité push à mentalité pull. Les effets sont absolument démentiels en termes de ROI. Rajouter un mot sur ce que vient de dire Cyril, parce qu'il a prononcé le mot, effectivement, j'ai oublié, le spam, ça m'a rappelé la présentation de Michael tout à l'heure, qui nous a dit, il a failli, je caricature un peu, hein, tu ne m'en veux pas, tu as parlé d'une bande, et après tu as parlé d'ad bande, et tu as d'ailleurs, il y avait un petit raccourci entre spam et outbound. En même temps, je ne suis pas un gros fanatique de l'ad bande, comme tu l'as compris, donc je ne t'en veux pas trop, mais bon, on peut faire de l'outbound intelligent, ça peut arriver. Et on peut faire de l'inbound connement aussi. Et la preuve, on vient de le voir avec Jean-François, et Cyril vient de nous le rappeler, effectivement, il a raison. Même, je pourrais même enlever le mot d'inbound, je pourrais mettre content marketing. Hein. On peut faire du spam en inbound marketing, j'en connais plein. J'en connais qui font, par exemple, c'est des spammers du SEO, alors ils se positionnent, ils font du...
du hacker marketing sur les termes SEO pour être numéro un du machin bidule. Mais quand il y en a un comme ça, je l'ai vu, un jour il est devenu, indépendant. C'est bizarre, il a plein de visites, hein, mais il n'y a personne qui l'appelait. Okay. Parce qu'il faisait du hacker marketing, mais il n'apportait pas de valeur. Okay. Alors, et on en revient à ce que je disais hier, c'est que, et c'est à la base d'ailleurs de l'inbound marketing, c'est le bon vieux funnel, hein, dont je vous rappelle d'ailleurs quand même que c'est Sintelmo Lewis qui l'a inventé en 1870, hein, donc là on n'est plus à 15 ans, hein, Jean-François, c'est 100 ans. Effectivement, cette histoire d'amener toujours plus de monde n'est pas forcément pertinente, selon les métiers, hein, attention. Ok, merci. Alors, juste avant que Jean-François fasse une synthèse, est-ce que Robin ou Michael, vous voulez encore réagir avant que Jean-François fasse une petite synthèse et embraye sur les outils et les process? Non? C'est bon, on est d'accord tous? Ou c'est bon, Robin? Ok, Jean-François, alors, fais-nous une petite synthèse de réaction aux réactions et puis ensuite, on parle un peu process et outils pour intégrer tout ça, pour que ça fonctionne. Réaction, je vais partir sur le numéro 2 qui a parlé, qui est Yann, parce qu'en fait, ça fait la synthèse entre les trois qui ont réagi. Yann dit, c'est vraiment important de donner de l'information, de valeur, authentique, utile, et de le faire vraiment d'une manière sincère et généreuse. C'est vraiment le fondement du social selling, celui sur lequel on se retrouve, qui fait qu'on s'entend bien, instantanément avec des gens comme Yann, Cyril, toi, Loïc, c'est les terrains sur lesquels on se retrouve très vite. Donner de l'information authentique, généreuse. Mais en fait, c'est le travail d'un commercial avant le web. Et on prend avant le web. On est en 1980, vous êtes dans une soirée pince-fesse avec coupe de champagne, etc. S'il y a un vendeur de voitures qui fait le tour de chacun en disant « je vends des belles voitures, regardez ma carte de visite », t'as envie de le tuer. Au bout d'un moment, on dit « vous approchez pas de ce mec-là, il est radioactif, c'est un mec qui est mortel, qui est chiant ». En revanche, vous avez un commercial qui s'intéresse, qui demande aux gens quels sont leurs projets, quelles sont les problématiques, qu'est-ce qu'il est heureux dans la vie, qu'est-ce qui les rend malheureux. Si la personne lui dit mes projets, c'est on attend deux gamins, ça va être des jumeaux, ça va être la galère, il sait qu'il a besoin de changer de voiture, donc ça ne l'empêchera pas de vendre la voiture, mais il le fera d'une manière bien plus pertinente. Et quand on a des gens qui nous donnent dans la vie physique des conseils utiles, en fait on a envie de travailler avec eux. Et finalement, pour rebondir sur Cyril, les infos que Cyril a communiquées sur l'algorithme de LinkedIn, c'est un sujet que moi j'ai vachement étudié, et ben pourtant j'ai appris vachement de trucs en lisant Cyril. Et il y a beaucoup de trucs qu'il a dit, franchement il aurait pu les vendre. Et donc il y a un côté généreux de dire je te le donne. Jean-François, je sais qu'il y en a qui le reprennent et qui le vendent derrière. Il y a toujours des enfoirés partout. Il y a un côté aussi authentique, c'est que si vous l'avez lu, sinon je vous invite à le lire. Il y a un moment, Cyril a repris des synthèses, parce que pour savoir ce qui se passe, les algorithmes sont secrets, c'est comme la formule de Coca-Cola, donc il faut tester, il faut lire, c'est des heures et des heures. Et avec Cyril, on se voit très peu, c'est super génial de se voir aujourd'hui, mais Cyril, on se voit très peu, on se voit qu'à l'occasion du Social Selling Forum, grâce à Loïc. Mais en revanche, je sais le nombre d'heures qu'il a bossé, parce que pour être sur ces sujets-là, je mesure bien la quantité de travail que ça lui a donné. Donc, ce qu'il donne, c'est vraiment généreux, parce que c'est vraiment du travail. Et ensuite, c'est vraiment authentique. Notamment, il y a une phrase qui m'a frappé, c'est Cyril a fait la synthèse de différentes choses qui ont été publiées aux US, etc., par Andy, etc. Et à un moment, il dit, voilà ce que j'ai fait, je le redonne à son auteur, je rends à César ce qui est à César, moi j'ai fait que la synthèse, mais la synthèse elle est énorme, attends, le truc c'est des heures de travail, de trier, de traduire, de tester, de comparer avec ses tests, etc. Et donc là-dedans, il y a une humilité qui rend l'homme authentique, et c'est ça qu'on sent sur les réseaux sociaux, et tu le fais dans la vie ou tu le fais en ligne, c'est la même chose, il faut se conduire dans la vie comme on se conduit en ligne. Et c'est ça qui fait qu'on apprécie les gens et qu'on aime les gens. Et ça me permet de rebondir sur le commentaire de Robin, c'est que en 1980, avant le web, un commercial, il doit être réactif. Et quand il y a un client qui lui pose une question, il doit répondre à la question. Et les commerciaux qui ne sont pas réactifs dans le monde d'avant le web, c'est des commerciaux qui sont morts.
Et un commercial dans le monde du web, finalement, il doit appliquer à peu près les mêmes recettes. C'est pour ça que quand on publie un post, on ne publie pas un post à 2 secondes de rentrer chez un client pour faire une réunion de 3 heures et regarder après ce que le post a fait. C'est quand on publie un post, on reste devant, on peut faire d'autres choses, mais on regarde s'il y a des gens qui répondent, qui réagissent, qui posent des questions, etc. Et alors finalement, et ce sera la conclusion de ce rebond, finalement, ce qui se passe si on l'analyse. Ouais, je suis comme Cyril, on a le même parcours en fait. Moi, je suis un vendeur qui ensuite est passé dans les nouvelles technologies, mais pour une raison, c'est qu'en fait, je suis ami avec 2 des 10 qui ont fait le web en France, des gens avec qui je vais en vacances, et les deux sont les 2 des 10 qui ont fait le web en France qui m'ont picousé à ça. Il y en a un qui s'appelle Marc et l'autre qui s'appelle Jean-Baptiste, et je vous laisse chercher les noms de famille. Mais si vous faites une requête sur les 10 qui ont fait le web en France, vous allez trouver les noms de famille de ces deux-là. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que les commerciaux, et je me mets dedans puisque je suis un commercial depuis un paquet d'années, des clients, mais je sais pas, j'ai fait 1000 rendez-vous clients, ces gens-là, et on est les plus résistants au changement. Quand il a fallu mettre en place les CRM dans la boîte, qui a gueulé le plus? Les commerciaux, on va être fliqués, machin, etc. Vous avez des professions d'une image poussiéreuse, comme par exemple les notaires. Ils se sont digitalisés, mais un truc de dingue. Aujourd'hui, tu achètes un bien immobilier, le notaire, tu as des écrans LCD partout dans le bureau du notaire, tu signes en signature électronique. Les experts comptables, c'est des métiers pareils qu'on pourrait imaginer poussiéreux, mais pas du tout. C'est les premiers à se digitaliser parce qu'il faut numériser les factures, automatiser les traitements, etc. Moi, j'ai vu il y a 5 ans un expert comptable en Corse, il avait inventé un drive. Un drive-in parce que tu amenais tes factures sur un parking à l'extérieur de Bastia pour pas faire la queue pour te garer dans Bastia qui est ingarable. Et là, tu mettais tes factures à scanner pour qu'elles soient traitées informatiquement toutes seules. C'était il y a 5 ans. Et les commerciaux, dès que tu leur amènes un nouvel outil, c'est les plus résistants. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les commerciaux ont été résistants à Internet. Ils ont été résistants au web. Ils ont été résistants au CRM. Et ceux qui sont emparés du sujet web technologique, c'est les marketeurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a cette scission et que le rapprochement marketing-vente reste l'apanage de quelques individus, mais pas la généralité. C'est qu'en fait, les marketeurs se sont appropriés le web sans vraiment essayer de comprendre la vente, et les vendeurs ont rejeté le web sans essayer de s'approprier le web. C'est pour ça qu'il y a cette espèce de frontière où on ne se comprend pas. Et quand des gens font l'amalgame entre les deux, alors là, c'est trop de la balle et là, ça fonctionne d'enfer. Bon, merci pour toute cette tirade, Jean-François, c'est super. Simplement, tu n'as pas tout... Et tu vois, il y a Thierry qui applaudit, regardez, il applaudit comme ça. Fabrice qui disait en ligne, je suis d'accord avec ce que vous dites. Alors, Florence, elle est au téléphone et Elisabeth, elle nous écoute avec beaucoup d'attention. Les autres, je ne les vois pas, hein, vous m'en excuserez. Enfin, j'en vois très peu, Valérie qui est là, voilà. Si vous avez une question ou si vous avez une réaction dans la salle, c'est le moment de le faire, notamment parce qu'on est censé parler d'outils, hein, ou de moyens concrets pour mettre en œuvre tout ça. Y a-t-il une question? Sinon, je vais reposer ma question à mes amis. C'est quels sont les outils que vous utilisez ou les process, hein? C'est ça que tu as voulu qu'on pose d'ailleurs comme question, Jean-François. Bon, je pose la tienne, hein. Alors, qui veut me répondre là? Alors, comme j'ai beaucoup parlé, la place aux autres. Oui, alors Yann peut-être. Profitons d'Yann et Cyril, par exemple. Tiens, les jeunes. Ouais, on a deux. Jeunes. Et c'est marrant, on a des jeunes. On n'a pas de femmes à ce moment-là. C'est un peu dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas de femmes qui soient là. Je m'en excuse, on fera un social selling forum Amazon le 8 mars. Hein. Je vous le dis tout de suite pour celles qui sont... Voilà. Alors, Robin, ouais, ouais, merci Jean-François pour avoir clarifié le point quand je disais que le besoin d'adaptation, c'est exactement ce que tu as dit. C'est vrai qu'il y a cette réfraction par rapport aux nouvelles technologies qu'on observe souvent chez les commerciaux et c'est ce à quoi je vais faire référence. Moi, tout simplement, dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé jusqu'ici, la première chose que je mets en place, donc moi aussi, je suis issu du commerce, mais je suis passé sur le marketing par goût justement pour les nouvelles technologies. Et la première chose que je mets en place, moi, c'est un SLA avec le commerce. C'est-à-dire que c'est grosso modo un contrat moral, mais qui est rédigé sur quels sont les engagements que je prends moi en tant que directeur marketing vis-à-vis du directeur commercial, et la même chose. Quand je parlais de réactivité tout à l'heure, typiquement la première chose que je m'engage sur un volume de prospects qui sont qualifiés pour les commerciaux, et eux s'engagent sur un temps de traitement sur ces prospects-là. Donc je pense que
avant de parler d'outils, déjà la première chose, c'est d'avoir véritablement un contrat et des choses qui soient écrites, des engagements les uns envers les autres, le marketing envers la vente et pas la vente. Et la vente envers le marketing, pour justement qu'il n'y ait pas une activité qui soit au support de l'autre, mais qu'il y ait une synergie entre les deux. Et ça me paraît être pour moi la chose fondamentale et la première chose à poser avant même les outils. Michael. Et écoute, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Jean-François par rapport aux commerciaux et la version nouvelles technologies. Moi-même, je l'ai vu. C'est d'ailleurs à ce moment-là où le social selling entre en scène, hein, parce que pour moi, le social selling, c'est la vente 2.0. On apprend aux commerciaux comment utiliser une nouvelle technologie et quand même à savoir un petit peu. C'est un petit peu quand même différent. Donc, il y a quand même un comportement différent à apprendre. Mais souvent, quand je leur parle, c'est pareil, CRM, des choses à faire, ils sont là, non, mais ça ne m'intéresse pas, c'est trop compliqué. Tout de suite, on leur parle de réseaux sociaux, on leur parle de social selling, on leur montre les listings avec LinkedIn, on leur montre des listings de prospects qu'ils peuvent avoir. D'un coup, il y a les yeux qui pétillent et puis là, après, en général, j'ai toute leur attention. Et effectivement, après là, on entre vraiment dans le social selling. Ok. Alors, Yann, en termes d'outils ou de process ou... La version aux nouvelles technologies. C'est marrant qu'on parle encore des nouvelles technologies 30 ans après l'invention d'Internet. Alors moi, il y a quelque chose qui me sidère là-dessus, d'ailleurs. Tous les jours, je sillonne Paris en vélo et je manque d'écraser 10 piétons qui traversent avec leur téléphone collé à la figure et qui traversent sans regarder. Tout le monde, ça devenait tellement bateau qu'on ne va pas dire que l'utilisation du mobile a explosé, quoi, ça devient tellement banal. Et ça n'empêche que quand on met ces technologies sur le terrain, dans le métier, il y a beaucoup de... C'est pas seulement les commerciaux, je pense que c'est quelque chose d'assez généralisé. On a des réactions d'aversion ou de difficulté ou je sais pas. Et je sais pas pourquoi. Je comprends pas. Enfin, pour moi, tous ces outils-là deviennent des choses, comme j'ai dit, les nouvelles technologies, c'est quelque chose qui est derrière nous. Hein, c'est très vieux. Donc, c'est plus nouveau. Ce sont des outils, point. Voilà. Et il faut essayer de les utiliser au mieux. Et effectivement, si on les utilise à bon escient et non pas à mauvais escient, comme on a vu avec l'inbound marketing, eh bien, on aura de meilleurs résultats. Et je pense aussi, pour faire le lien avec ce qu'a dit Robin, j'aime bien le terme de SLA, j'aime bien aussi le terme, tout bêtement, de contrat humain, en fait. Il faut apprendre à discuter entre nous. Alors, c'est bien, je pense que les marketeurs qui sont passés du côté de la vente ou les vendeurs qui sont passés du côté du marketing, sont déjà dans un meilleur état de compréhension des deux domaines. Et donc, ça doit... Enfin, en principe, sinon, c'est grave. Et donc, il devrait y en avoir beaucoup plus, des marketeurs qui font de la vente et des vendeurs... Je répète toujours la même chose, hein, mais vis ma vie. Voilà. Vis ma vie, j'allais dire, c'est ce que tu répètes et tu as ta raison. Alors, Cyril, une petite conclusion d'ailleurs, parce qu'on est à la conclusion. Tu parlais d'outils aussi. Je trouve qu'il y a peut-être des attentes d'outils dans les participants. Nous, aujourd'hui, on utilise de plus en plus Power BI avec nos clients. Et en fait, Power BI qu'on connecte avec tout. C'est-à-dire Power BI récupère toutes les données analytics, Source Console, Campaign Ads, API de plateforme Big Data. Donc, ça donne une puissance absolument phénoménale. Chez nos clients, quand on réussit à mettre en place cet écosystème où on centralise tout dans un seul espace en temps réel, il y a un tracking multidirectionnel dans tous les leviers d'acquisition, toutes les campagnes, tout est traqué et mesuré, les sites sont tagués de partout, etc. Enfin, il y a vraiment un analytics qui est extrêmement poussé. Les plateformes data qu'on utilise, je ne peux pas dire parce qu'on a mis beaucoup de temps là-dessus aussi comme sur LinkedIn pour comprendre quels étaient les bons outils, les plus pertinents, suivre, etc. Et on est en train de faire un switch entre deux plateformes, parce qu'il y en a qui sont en train de dépasser d'autres qui avaient de l'avancement, etc. Donc là-dessus, je dirais pas. Celle qu'on utilise. Maintenant, celle que les outils, puis en plus, c'est des outils qui sont à des prix absolument délirants, là, qui sont justifiés quand on est conseil ou agence, mais quand on est en entreprise, notamment TPE, PME, c'est pas forcément
économiquement super rentable. Maintenant, dans les outils accessibles, intéressants pour tout le monde, bien évidemment, tout le monde connaît Google Trends, je pense. Tout le monde connaît Google Keyword Planner, qui sont des outils assez intéressants. Maintenant, il y a Answers the Public, qui est pas mal. Vous pouvez aller voir. Answers the Public vous donne des idées de contenu, de thématiques, de mots-clés. Le gros avantage d'un sens de public, c'est que c'est gratuit. Le gros inconvénient, c'est qu'il n'y a aucun chiffre. Donc, c'est très compliqué ensuite de prioriser. Il y a Ubersuggest qui est pas mal, qui a une version freemium qui est pas inintéressante. Ça vous donne des idées de contenu, des idées de mots-clés, des idées de demandes, de concurrence SEO, de concurrence Google Ads. Et là, il y a des chiffres. Donc, ça, c'est un outil qui est assez intéressant. Alors bien évidemment, comment ces outils Big Data fonctionnent, c'est pas Google, ils n'ont pas, bien évidemment, pas la puissance de Google. Ils ont des gros crawlers qui vont crawler tout ce qui se passe sur le web. Et ils font une approximation. C'est pas 100% de la réalité, mais on est à 80-90% de la réalité. Et c'est toujours mieux d'avoir ça que rien du tout. Et ça peut ensuite se décliner soit dans de quoi je parle quand je parle sur LinkedIn, de quoi je parle quand je parle sur Facebook, de quoi je parle sur mon site, quels mots-clés je cible en SEO, de quoi je parle dans mes newsletters. Enfin, vraiment, il y a après un déploiement qui est super, super intéressant. Et avec ces combinaisons d'outils, en regardant un petit peu Google Trends, Keyword Planner, Ubersuggest, c'est des outils qui sont, je pense, super accessibles pour une TPE, PME. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 10 ans de marketing digital pour comprendre comment ça marche. Et déjà, entre ça et rien, enfin, on n'est pas aux outils d'agence, mais entre ça et rien, on est déjà à un niveau qui est extrêmement intéressant. Merci Cyril. Tu sais que tu fais la prochaine session, donc là, il n'y a plus qu'un seul, un mot pour Jean-François pour faire la conclusion. Un mot ou une phrase ? J'essaye en une phrase, c'est qu'avant, à l'époque où Linbound est né, dans les années 2006, le marketing était en charge de la génération et le commercial était en charge de l'interaction. Aujourd'hui, la génération de lead, elle demande l'interaction sur les réseaux sociaux. C'est le commercial qui doit être en premier lieu. Il doit s'approprier des process commerciaux et pas dupliquer bêtement, aveuglément, des process marketing. Les deux sont complémentaires, mais en revanche, l'un ne fait pas le job de l'autre. D'où j'ai bien aimé le SLA aussi de Robin. C'est au commercial de prendre la première place là-dessus. Merci. Alors, on les applaudit bien fort, enfin, ceux qui sont là et qui ont écouté, etc. Je